Salut, salut tout le monde, c'est Dragoon10 et aujourd'hui je reviens pour une toute nouvelle vidéo de frayeur, de peur, de ténèbres, de toutes les choses un peu glauques, un peu sombres, vous voyez de quoi je parle? Mais voilà, je reviens pour Slender. Alors Slender est un jeu indépendant, un peu comme SCP-087B, SCP-087 et SCP Containment Breach, je vais y arriver. C'est un jeu qui simule, qui est tiré sur une histoire, non pas vraie, hein, pas une histoire vraie, mais sur des contes pour enfants. Après, ce que j'ai pu comprendre, c'est une vieille histoire remontant à plusieurs années, à plusieurs centaines d'années même, qui était destinée à faire peur aux enfants. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre. Le personnage principal, c'est le Slenderman, qui est apparemment, d'après ce que j'ai compris, un grand bonhomme, tout mince, avec des grands bras, un peu comme l'Enderman dans Minecraft. Et donc apparemment, il enterrait ses forêts. Et nous, notre but, c'est de récupérer 8 pages, donc je sais pas pourquoi. Alors, d'après ce que j'ai pu lire dans les règles, dans le fichier texte du jeu, si on voit l'ennemi, il ne faut surtout pas le regarder. Nous avons une torche qui est limitée. On peut zoomer. Vous pouvez le voir. Donc on a une torche qui est limitée, hein, qu'il faut que je pense à éteindre de temps en temps. Mais le problème, bah, quand j'éteins, je vois plus trop ce qui se passe. Donc c'est parti. Je vous avouerai que je suis déjà en train de flipper. J'aime pas trop ces forêts. Alors le jeu rame un petit peu, enfin légèrement. Hein, je suis à 10 frames par seconde. Je suis vraiment désolé. Vous connaissez un peu mon PC. Hein, je vais pas me répéter. Donc c'est parti. Always watch, no hide. Toujours le regarder. Il regarde toujours, mais il n'a pas d'œil. Enfin, always watch, ça veut dire qu'il regarde toujours. Always, c'est toujours. Watch, c'est regarder, je pense. No eyes, c'est pas d'œil. Ah, pas de yeux, ouais. Bon. Oh putain. Oh putain. C'est quoi de ces bruits? Oh, j'aime pas ça. Alors j'ai un sprint aussi mais qui est limité. Putain, j'aime pas ça les mecs. Les mecs et les filles, hein, désolé. Hein. Alors si vous m'entendez gueuler, c'est normal. Oh la putain. Putain de toi. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Qui vont apparaître sur ma gueule ou un truc comme ça. Putain les mecs, je sens trop mal. Qu'est-ce qui me prend de faire ce genre de jeu? Un papier. Donc bon, j'ai été lent, hein, je sais pas du tout que c'était là, mais je me doute vu que c'est des objets, il n'y a pas sur les armes ni rien, c'est des objets qui sont un peu aléatoirement mis. J'ai l'impression qu'il me suit. Ah! Il est derrière. Oh my god. Mon dieu. Lâche-moi, non. Vous l'avez vu? Attendez, je fais un petit zoom. Regardez. Il est affreux. Enfin, il fait pas peur, c'est un personnage, mais... Il me suit et je le sens mal. Je le sens mal. Que je récupère ces morceaux de papier. Putain, comment je le sens trop mal ce jeu. Oh mon dieu. Ah, il y a la musique qui s'emballe. Faut pas que je tombe devant. Il est où? Moi, j'ai 3 pages sur 8, c'est bien. Putain, le son est à fond. Là, vous l'entendez fort, vous voyez? Bah, j'entends exactement pareil. J'ai pas du tout pensé à baisser le jeu, quel con. Putain, mais c'est quoi de cette forêt? En plus, ça fait peur.
Et la musique qui s'emballe, mais ta gueule! Oh my god! Oh mon dieu, c'est quoi de ça? Je ne me retournerai pas. C'est mort. Si je me retourne, il va être derrière, il va me faire peur. Bon, j'ai 4 pages sur 8, c'est bien, j'en suis à la moitié, mec. Faut surtout pas que je meure. Putain, mais ça va, pour moi j'ai rien eu, mais je sais qu'il me suit, ça me perturbe. Oh mon dieu. Faut pas que je me retourne, faut pas que je me retourne. Putain, mais je suis tenté en plus à me retourner, c'est horrible. Oh la putain de toi! Oh! Oh, j'ai des frissons! Oh tchop, putain! Oh mon dieu, il est proche! Pourquoi je le sens trop mal ce jeu? On nous a dit de ne pas le regarder, moi je le regarde. Et je voulais vérifier qu'il soit derrière ou pas, quoi. Et le pire, c'est que je sais qu'il est derrière, mais je peux pas m'empêcher de regarder, quoi. C'est horrible. Vous savez, c'est un peu comme dans les films d'horreur. Les gens, ils courent et puis ils peuvent pas s'empêcher de regarder derrière si leur poursuivant est toujours là. Bah moi, c'est exactement la même chose. Je peux pas m'empêcher de regarder derrière pour voir si mon poursuivant est toujours là. Oh putain, il y a un arbre, il m'a fait peur, le con. Arrête de respirer comme un phoque, toi, tu me fais peur aussi. Il est derrière. Je sais pas si c'est moi que j'entends marcher en plus, mais j'ai l'impression d'entendre quelqu'un d'autre marcher en fait. Bon, en tout cas, il ressemble pas au Slenderman que j'ai pu voir via les images. Parce que le Slenderman, c'est. Je vais essayer de parler d'autre chose pour pas y penser. C'est un grand bonhomme, tout fin. Un stickman géant en fait. Et lui, il ressemble pas à un stickman. À vrai dire, il ressemble pas à grand chose. Là, j'y ai été, donc on va aller là-bas. Je vais pas regarder ce qui se passe derrière parce que. Il y a quoi là-bas? Lâche pas en plus hein. Oh putain, non. Oh my god. Putain, il y a un papier dedans, mais. Ben, je suis sûr qu'il y a un papier dans ce truc. Oh mon dieu. Ah, on dirait SCP, my god. Vas-y, je ressors, moi, j'ai peur. Y'a autre chose là. Mon dieu. Putain, et quand je joue à ce genre de jeu, je transpire, c'est hallucinant. Ah. Pas pire. Ah. Mon dieu. De me retourner hein, pour terminer le truc, mais je vais flipper ma race, je le sens. Oh putain!
Bon, me revoilà. Je suis désolé, le jeu s'est coupé tout seul comme pour SCP. Ah putain, je tremble. Putain, j'aurais dû faire un cam view. Non, sincèrement, le jeu est quand même bien flippant, ça va, il n'y a pas de screamer ou quoi que ce soit, mais putain, c'est oppressant en fait. Contrairement à SCP en fait, où à tout moment il y a un truc qui peut nous tomber dessus, on reste quand même sur nos gardes, mais là, constamment on sait qu'il y a un mec qui nous suit derrière, quoi. On nous dit de pas le regarder, donc d'un côté on le regarde pas, mais d'un autre côté on est vachement attiré pour le regarder. C'est vraiment horrible. Sincèrement, c'est horrible. Putain. Et là, en fait, ce qui s'est passé à la fin, j'avançais et c'est pas moi qui me suis retourné, je vous assure. Je me suis pas obligé à me retourner pour terminer rapidement, hein, comme j'ai pu le faire pour les autres SCP. J'essaye d'aller jusqu'au bout. Et non, en fait, je sais pas. Je crois qu'il a dû trop s'approcher de moi. Une fois qu'il s'approche trop, à mon avis, il m'a retourné. Et cette vision, elle est horrible parce qu'on le voit, il y a la vue qui se brouille, la musique qui s'emballe. Et puis là, on voit son visage plusieurs fois, mais en plus, sa gueule est dans mon casque. C'est horrible. Enfin voilà. Le jeu, j'ai décidé de le faire tout seul. Hein, contrairement à d'habitude, je ne l'ai pas fait avec Gros Momo parce qu'on a vraiment du mal à se capter ces temps-ci. Mais une prochaine vidéo, enfin deux vidéos tout du moins. Enfin, il y a des vidéos qui sont prévues sur deux jeux différents avec Gros Momo. Donc vous inquiétez pas, on sera en duo d'ici très très peu de temps. Voilà. Donc ben j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. C'est un peu plus court que d'habitude, mais ça change de Minecraft et de Penumbra, de sport et de Portal. Et puis, bah, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus, des pouces rouges, je m'en fous. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. À rejoindre ma page Facebook qui est dans la description de chaque vidéo maintenant. Et puis à partager hein, si des gens, si vos amis s'ennuient un soir ou quoi que ce soit, vous pouvez leur parler de ma vidéo autour d'un bon verre. Il n'y a pas de souci. Allez, ciao ciao tout le monde.